Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le tutoriel de ce nail art. Donc c'est un nail art one stroke. Le one stroke c'est une technique qui consiste à tremper la moitié de son pinceau dans une couleur et l'autre moitié dans une autre couleur. Donc on prend un pinceau biseauté ou un pinceau plat carré avec des poils pas trop souples ni trop rigides. Ensuite on trempe une moitié dans une couleur, donc ici le fuchsia, et une autre moitié dans le blanc. Donc c'est de la peinture acrylique, il faut qu'elle soit assez opaque. Et ensuite, donc on va dessiner les pétales en faisant des petites ondulations du haut vers le bas, comme vous pouvez voir ici. Et à la fin, on va relever son pinceau et terminer par une ligne de fuchsia. Donc je ne sais pas trop comment vous expliquer, alors regardez plutôt les images. Ensuite, on peut bien sûr faire quelques petites retouches avec un pinceau fin ou directement au pinceau pour rajouter un petit peu de rose ou un petit peu de blanc au cœur de la fleur s'il en manque. Ensuite, je refais la même chose en faisant 3 pétales dans le coin de mon ongle. Donc la difficulté dans ce nail art, c'est en fait quand on le fait sur ses propres ongles, c'est assez difficile pour trouver la bonne position à adopter pour faire ses fleurs, parce que c'est vrai qu'on arrive à faire les 3 premiers pétales. Mais pour faire les deux autres, c'est plus difficile parce qu'il faut placer sa main d'une certaine façon pour être plus à l'aise. Ensuite, je vais prendre un tout petit dotting tool que je vais tremper dans de la peinture acrylique fuchsia très très diluée. Plus vous allez diluer votre peinture, plus vous allez arriver à faire des tout petits points. Et voilà, n'oubliez pas votre top coat à la fin pour conserver votre nail art.